filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau terme qui est le look monochrome. C'est quoi un look monochrome? C'est un look où on associe les vêtements de la même couleur, du même ton de couleur, pas forcément, ou de la même famille de couleurs. Comme exemple, le blanc avec le blanc crème, ou des couleurs crème, ou couleurs, comment dire, écrues, le jaune avec un jaune moutarde. C'est toujours dans le même ton de couleur, c'est ce qu'on appelle un look monochrome. Maintenant, ceux qui commencent à me connaître, vous savez que je suis une fille très colorée. Il est rare que je sois vraiment habillée en noir. J'aime l'association des couleurs, des imprimés. Mais parfois, quand je suis en manque d'inspiration et que je ne sais pas comment faire, ça nous arrive souvent, ce genre de situation où on ne sait pas. Et pourtant, on a des tonnes de vêtements, mais on ne sait pas comment s'habiller. Alors, c'est un thème qui me convient bien à ce moment-là quand je suis dans cet état-là. J'aime bien, dans ces cas, je me casse pas la tête, je prends des vêtements de même ton de couleur, j'apporte une petite touche d'originalité, pas les accessoires, évidemment. Donc, le look monochrome, on dit, bah oui, ça a l'air facile, il suffit de prendre blanc et blanc, jaune, jaune, rouge. Non, c'est pas aussi facile que ça. Donc, surtout, si on veut avoir une touche d'élégance, de chic et tendance, attention les filles, jouez bien sur les matières nobles. Cela ne veut pas dire aller dépenser une fortune. Les magasins s'y mettent, elles font quand même des choses assez tendances, dont les matières sont visuellement bien limitées. Et donc du coup, n'hésitez pas les filles, surtout jouez sur les matières nobles, pas des matières cheap, on dit cheap, hein, je ne sais plus. Voilà, bon, en tout cas, pas des matières bling bling, non du coup. Le look monochrome se rapproche quand même un peu du look minimaliste, c'est-à-dire... Faut pas trop le surcharger et surtout jouer sur les accessoires. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vous laisse visualiser ces quelques tenues. Surtout laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à me faire de critiques. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Et je vous fais plein de bisous.